J'ai besoin de votre attention quelques minutes. Arrêtez tout ce que vous faites parce que j'ai vraiment besoin de vous concentrer. Alors maintenant, je vais vous demander de lire cette phrase. Voilà, lisez-la attentivement. Même si je ne suis pas avec vous, je vous entends dire « mais c'est difficile de la lire, mais c'est pas possible, mais je ne comprends pas grand-chose, etc. » Et vous avez bien raison, c'est difficile. Et pourtant, j'ai enlevé que 4 lettres. J'ai enlevé le A, le S, le I et le E. Et comme vous pouvez le voir, la phrase perd toute son importance, tout son sens, toute son essence. Alors moi, j'aimerais vous poser la question. Quelles sont les imperfections que vous avez, que vous essayez de cacher, de supprimer, de ne pas montrer à la terre entière et qui fait de vous, un peu comme cette phrase, quelqu'un sans importance, sans essence, sans sens. Parce que c'est avec ce A, ce I, ce S et ce E où la phrase prend toute son essence. Mais quand on essaye de supprimer certaines parties qui font partie d'un tout, eh bien le résultat est complètement bancal. Pour moi, ce que vous essayez de cacher, c'est exactement ce que le monde va voir. Et si vous n'êtes pas fier de vos imperfections, tout le monde va venir vous titiller sur ces imperfections. Tout le monde va venir vous mettre le doigt, un peu comme si une blessure, il va aller la triturer avec du sel et ça fait hyper mal parce que j'essaie de le cacher et que j'en suis pas fière. Non, j'ai un secret pour vous. Montrez toutes vos imperfections, soyez-en fiers. Et si ça déplaît à quelqu'un, c'est pas votre problème, c'est son problème. Si quelqu'un, on n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. Et tout le monde ne va pas vous aimer. Et vous n'allez pas aimer tout le monde. Mais en tous les cas, les personnes qui vont vous aimer, elles vont vous aimer dans votre intégralité, tel que vous êtes, avec le bon et le moins bon. Alors juste par curiosité intellectuelle, je vais vous permettre de lire la phrase et vous allez voir qu'elle est vraiment impactante. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Voilà, j'aimerais bien être moi-même. Mais j'ai peur que plusieurs personnes ne m'aiment plus si je me permets d'être qui je suis. Et vous avez vu comme la phrase est belle, magique, fantastique. Et pourtant, en lui enlevant 4 lettres, elle devient insignifiante. Je vous laisse méditer là-dessus. Je trouve que c'est une phrase très puissante qui en dit long. Mon rêve, c'est que vous puissiez vraiment être fiers de tout ce que vous êtes. Toujours aussi contente et ravie de vous rencontrer tous les mardis pour cette capsule de 3 minutes pour changer de vie. Si vous l'avez trouvée intéressante, si elle vous a plu, si elle vous a impacté, partagez-la à un grand nombre, qu'on puisse vraiment apporter du changement dans la vie des gens. Si vous-même, vous avez une histoire que vous avez lue, vécue, entendue, vue, peu importe, qui vous a impacté, please, partagez, partagez pour qu'on puisse vraiment ensemble construire cette émission. Nom, prénom, l'histoire à l'adresse suivante contact@nahedrached.com. C'était Nahed Rached, c'est tout pour aujourd'hui. Hada huwa et Allah yhfidkoum.